Bienvenue Bonjour, dans cette bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai oublié, donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore un Yngwe, et là c'est le modèle P1. Donc voilà, petit déballage. Ouais, ça. Bien emballé même d'ailleurs. Ouais, beaucoup. Beaucoup d'accessoires. Ah, Une pochette. une pochette. J'adore, vous êtes curieusement. Oh, Christine. Oui, elle est bien, cette pochette. Bien. Ah, bah oui. Attends, quoi, ça, c'est ce pied. Attends. Oui, mais attendez, je vais tourner l'accessoire maintenant. Tu peux pas attendre. Bah, c'est toi qui peux pas Ah, attendre. ouais, mais avec 2 minutes, j'ai tout On n'est jamais mieux servi moi, par soi-même. je suis indispensable. Je l'avais vu. Sans moi, il fait rien. Si, en fait. Non, Je t'en elle, je fais mieux. non, 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 non. Pas rien, Pas vas-y, rien. bouge ça par là-bas. Hop, c'est. C'est pas rien, c'est mieux. Hop là. Le chien qui va nous aider. Bon, t'as un truc pour couper ou pas? Ah, bah non, j'ai pas pensé. Bah si, tout à l'heure, t'en avais un. Ah oui, tout à l'heure, j'en ai Ok, là. elle a pas pensé. Mais elle est blonde, hein. Allez. Tu vois là-dedans? Oh, je pense qu'il va être en long. Étant en bleu. Mais voilà, me voici. Voilà, Regarde, il y a encore un Dream Tac. j'ai pris un petit modèle, c'est cette. Ok. Juste. On va Ah, pas ben, j'ai changer. pas le ciseau, c'est déjà pas mal, hein. Ok. Non, je ne sais pas du tout pour Hey. On a la pince avec. Attends, elle est peut-être dans le carton, ça même pas regardé. Qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Est-ce qu'ici, il faut pas te faire mal? Ouais, je vais essayer. Oui. Oula! Elle est dans le carton. C'est quoi, j'aurais laissé une tasse. Ouais, il l'écrit. En tout cas, il y a ce support smartphone. Il y a plein de trucs en fait. Alors, une roue. Allez, hop, je donne ma roue. Allez, dépêche. Ah oui, tiens. Ah, moi, je m'amuse. Ah, bah, c'est ce que je vois, Ah oui, ben. J'aime bien m'amuser, un métier. moi. On va jouer au frisbee. Ouais. Je vous l'ai dit, c'est pas une aide, c'est une handicap, en fait. Quoi? Et alors? Moi, je veux m'amuser, je veux pas. Tu veux pas quoi? Bah, dépêche-toi, je voulais faire du vélo. T'as dans l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il est long? Ah, il est Tu joli! dis pas ça d'habitude. Ah, c'est un pliable en plus. Ouais. Il est joli. Bon niveau déballage, j'ai connu mieux. Bah. On était plus en forme, Ouais. en phase. Mais là, il y a beaucoup de présence. T'as un béquille? Quoi? T'as une béquille, mec? Une béquille. Ouais. On cherche la béquille. Attendez, je vais regarder pour la béquille. Bon, Bon, bah, dis donc, là, on va conduire à l'envers, là. ouais. Déjà pas mal. Alors, ça, poubelle. Ça, poubelle. Ça, que tiens dedans. Il y a un peu dedans. Poubelle. Ouh là là là, ça s'en va. Tu voulais t'amuser, tu vas t'amuser quoi après? Oh là 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 là, c'est qui doit tout faire ici, hein? Titanic moi. Bah, il n'y a que toi qui fout le bordel ici. Ah bah oui, bah bien. Hein? Hop, poubelle. J'ai presque plus Vous loin. voyez que c'est bizarre quand même hein, de Vous voyez filmer. que c'est pratique une femme. Attends, je crois que je l'ai vu la béquille. Ah, t'as pas encore trouvé? Oh bah non, je suis encore à chercher. Je vais pas rechercher. Ok. J'étais en train de nettoyer, c'est déjà pas mal. Hein, hein. C'est ça que c'est ça une femme. Je l'avais dit, à niveau rentabilité, j'ai vu. Hein. Ouais. Hop, les. Le déballage n'est pas facile. J'ai la béquille. En tout cas, elles sont bien emballées. Enfin, je crois.
Il y a un bâton. C'est pas la béquille, le bâton. Je crois. Il y a un bâton à un pied. Hop, regarde le phare, il est ici, bien protégé aussi. Oh là, vous avez le bâton, mais je sais pas si c'est vraiment safe. Tu sais pas dans ta main du bâton. Hop. Non, mais il y a plein de bâtons. Regarde, même la petite fixation, elle est bien. Je vais la garder derrière celle-là. Non. Bon, bah, c'est pas, je vais mettre la roue déjà. Ça me paraît bizarre. Ok, c'est le tube de sel. Ça, c'est la béquille. Ah, ok, bah, c'est ce que je disais. Oh là. Hop. Eh, on n'est pas aidé, hein. Là. Donc, le tube de sel. Non, non, mais sinon, on s'en fout. Là. Je sais pas, c'est le côté que tu préfères. Démarre un peu le petit morceau. Non, démarre pas le petit morceau vers le haut. Ah ouais, ça fait moins mal. Oh là. Hein, t'as vu comment il est? Franchement. Il est pas pire. Ouais, ça doit être comme ça, je pense. Je pense, hein, on verra bien après. Alors. Toc. Ah là, il y a encore un bout. C'est pas le guidon. Putain. Il est où le chaud du guidon? Ok, l'eau même pas. En fait, je vous l'ai dit, c'est pas une aide, c'est un handicap. Moi, je veux que ça va vite. Hein. Ah bah, juste. J'ai pas le temps à perdre. Hein. Tu veux que ça va vite? Ouais. Eh ben. Regardez-moi comment je vais. Hop. En fait, tu peux pas aller vite. Ah non, bah non. Non, parce que tu m'handicapes en fait. Perds du temps avec toi. Avec lui. Ah, le panier! Ah, bah c'est ce que je voulais! Ok. Quand on va faire des courses? Quoi? Ok. Bah oui, c'est vrai. Mais je te l'ai dit tout à l'heure. Ah bon, j'ai pas entendu? Non, t'as pas écouté. Non, je suis sortie, je n'ai pas écouté. Comme la vie dernière, je t'écoute jamais. Je peux pas t'écouter, c'est pas possible. Alors, allez où m'appeler? Alors, j'ai un problème avec la roue. Quand t'as des mains gauches, bah voilà, hein. D'abord, dis-moi. Regardez-moi ça. Deux mains gauches, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait pas mon petit vélo. Il va aller se faire mal. Tu veux défendre droit, tu comptes? Non, j'ai un problème. Ça devrait aller. Hop, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Hop, c'est pour ça que tu es compilateur. Moi, j'ai deux mains droites. Ok. T'es pas gauchère par hasard? Et toi? T'es pas gauchère des deux mains? Ah bah non, moi je suis pas gauchère. Bon, bon ça dépend. Si gauchère, droitière, on fait les deux mains. Ok. Garde la preuve, il y a un de la main droite. T'as vu? En fait, tu m'aurais donné un coup de main, ça aurait été plus rapide. Attends, je voulais mettre la béquille, moi. Eugène, il y a une poignée, qui est celle-ci. Donc nous, on va changer parce qu'il y a une mode accélérateur dessus. Et pour le démonter, du coup, j'ai utilisé le compresseur, mais avec j'avais même pas mon petite pipette là pour souffler. Alors, je suppose que je l'ai laissé sûrement dans tout mon bordel. Donc là, elle s'enlève. On va y poser ceci. C'est une poignée accélérateur en fait. On regarde qu'on met bien dans le bon sens, mais on n'a pas le choix de toute façon. Alors, par contre, tu vois, c'est un peu court ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu les assises. Que ça avance. Oui. Ah, c'est mieux. Je pense bien, moi. Bon. Donc là, t'es en train de galérer. Vas-y, ouais. Pousse. C'est que t'étais bête. T'aimes bien être bête. C'est ça? J'ai pas compris ton truc. Pousse comme si que t'es bête. Ouais, plus fort que t'es bête. Hein? C'est pas ça que je te dis d'habitude. Ah. Pousse aussi fort que t'es bête. Ouais, bah alors, c'est ça. C'est pareil. Ouais, quelque chose pas. Ouais, alors. Encore un petit peu. Encore un petit peu pour pas que ça glisse. Non, voilà, au moins la poignée elle est mise, tranquille. Donc là, on va resserrer tout ça. J'ai mis où ma clé? Où tu l'as mis la dernière fois? Ah bah oui, d'habitude je suis à l'opposé, mais c'est moi. C'est le petit dot, c'est le cadeau. Si ça n'est pas moi. Bah je sais pas qui c'est là. Bah non, ça c'est sûr. Ah il est pas mal celui-là quand même. Hein. Bah comment tu sais qu'il est pas mal? Bah parce qu'il est joli déjà. Déjà joli, ça me plaît. Ok.
C'est le P1. Ngwe P1. Ouais, par contre, j'ai pas la petite P1. La petite P quoi? Bah, il était pas avec. Où est-ce que t'as pris la télécommande? La télécommande, j'ai pas pris de télécommande. Attends, bah, je vais te le donner, peut-être qu'il est là-bas. Bon, après le serrage, je vais faire un petit truc propre, là, je vais récupérer ça. Puis tu vas mettre le petit fil emboîté dans l'autre. Ouais, en fait, il y a un petit truc ici. Étanche. Étanche, la quête est étanche. Puis hop. Là, je vais passer là-dedans, je vais remettre ça. Il y a des petits colsons, j'ai vu, là. Ouais. Je sais pas si ça sert à ça ou sûrement à ça. Peut-être, bon, on verra, mais là, ça fait propre quand même. Ça fait comme à l'origine. Ouais. Je l'ai pas encore démarré, hein, le bordel. Si je veux pas remettre ça. Et le vent, il monte, hein. Ah, oh, ben, ça. Comme d'habitude, quoi. Alors, on va nous dire, les trucs sont pas bons, peut-être. De... Qu'est-ce qui va pas être bon? Ben, le son. Le son? Bon, bon si, ça peut aller quand même, hein. C'est pas... Les gens nous disent que ça peut pas être pire. Oh, moi aussi, ça peut toujours avec Van Leifer, tout peut être pire. Vous aurez la surprise. Bah, celui qui aime bien être dans son lit, écoutez le vent. Ouais, non. Je sais pas, tu dérives le son. Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens partir. Ah, ok. Pas bah, loin, alors. Pas loin. Bah, loin d'ici, ouais. Pour aller à la chaleur. C'est déjà pas mal. Pour aller utiliser tous ces vélos. Oh bah. On va en avoir des vélos. Tu sais quoi, on va faire une chaîne de vélos. Une chaîne de vélos. Clang, 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 et on va les aligner. Puis on va faire une chaîne de vélos. C'est déjà bien. Ah, le petit panier qui va bien. Je sais pas si on est. En tout cas, c'est le petit panier. Bah, c'est bien. Quand on va faire 2-3 courses et tout ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'il faut. Ouais. On aurait dû avoir ça sur les autres vélos. Ah ouais, c'est vrai, ça va être cool. Ouais. Puis ce qui vient, tu vois, j'ai jamais vu, mais c'est ça qui vient. Ouais, ça fait étanche, tu fermes, et t'es tranquille. Et t'as une petite pochette encore derrière. Ouais, ça c'est quand tu mets ton téléphone dedans. Ouais. Ah oui, comme ça c'est étanche. Ton porte-monnaie ou machin pour le marché. C'est pas mal. Hein. Non, je vais pas au marché. J'aime pas marcher. Puis avec la petite sacoche à l'arrière. Ça, quand tu mets ta caisse à outils, pour la caisse à outils au cas où. Ouais, le chien a failli se faire assommer. Avec le carton. Mais à l'avenant, tu crois que ça l'a embêté? Bah, pas de trop. Ah, support téléphone en plus. Je sais pas comment il se met, mais il se met. Bah oui, ça a dévissé. Tu passes. Non, non, mais je regardais le support téléphone, comment il se mettait dessus, fixé. Ah oui. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas, enfin, c'est prévu pour plusieurs sortes de vélos. Tu vois, t'es pas obligé d'utiliser que sur ce vélo. Mm. Puis c'est bien, t'es en train de faire de la mécanique là. T'as vu ton maillot, il suit avec. Ouais, expert en mécanique. Ça, c'est ce qu'il m'a dit la fois dernière, comme ça. Un Allemand. Un Allemand. Bah, ah, c'est, oui. C'est l'Allemand, et puis bah, on lui fait un petit coucou d'ailleurs, mais ah, ouais, j'espère que sa santé, ça va mieux avec sa femme et tout ça. Ils ont eu un accident de camion. Ça fait que bah, ils ont plus de camion. Ouais, il devait venir à notre événement, et puis ben. Bah, ça... Bah voilà. Parce que là, c'est vrai que c'est pas été cool pour eux. Bah non, son chien, ça va, et sa femme, bah, c'est son bras. Ouais, son chien surtout. Puis son chien, oh. Non, mais son chien, il a pris quand même cher. J'espère qu'il me regarde. Mais là, ça va, il... Petite pensée pour le chien. Ouais, bah de femme, tous les trois. Ouais. J'espère que ça va mieux. Je pense, sur la fin d'heure, il m'a mis un message qu'on peut que ça allait. Ouais, on leur fait des gros gros bisous. Et puis on leur a même dit, s'ils veulent un coup de main, ils nous appellent et on va arriver. On va dire, c'est pas loin l'Allemagne. Ben, ils étaient en Turquie. Ah ouais, bah... Non, mais ils ont eu l'accident en Turquie, je crois. Oui. Ouais, mais ils sont rapatriés en Allemagne après. Ouais, j'espère. Ah bah oui, quand même. Tu vois, des fois, c'est bien d'avoir une bonne assurance aussi. Mmh. Ah bon, mon assurance, je le changerai pas. Combien de fois que j'en suis appelé? Il y a des prix pour les assurances, tu te rappelles? Ouais. Bah non, moi je ne changerai pas, même si je paierais moins cher ou plus cher, je bah, ne changerai cher, pas. Mieux. Ouais, bah moins cher je peux pas, parce que vu les camions que j'ai, à l'avenant je paye déjà pas cher, je trouve. Donc c'est très bien. On paye toujours trop cher. Je lui pose ça, va te monter sur un téléphone. Ah ouais, mais c'est vrai en plus. Ah ouais, non, bah tout compte fait, il faudra me refaire 10% de plus. De moins. Ouais, 10% de moins de la facture. Là, ce qui est bien, c'est qu'elle est commerciale là-dessus. Hein. Non, mais. Oh, regarde, c'est bien. Ah oui, t'as le bouton et tout, ah ouais, tu viens c'est bien. C'est là-dessus comme ça, clac, et puis ouais. Il va fermer dedans. Et ça avec ton téléphone?
pour voir ce que ça donne. Il va encore sonner encore une fois. Ah non, mais j'espère pas. Ah, il tout casse ton téléphone. Bah, il manque une voix. Ah bah. Bien. Ah ouais, si c'est bien. C'est bien fixé et tout. Je vois si ça bouge ou pas. Bah bref, ça c'est trop haut. Regarde ce qui est intelligent aussi. La petite sonnette qui va bien. Bon. Vous l'entendez bien? Moment de vérité. Ouais. Allez, action. Réaction. Premier démarrage. Ça démarre. Ça démarre. Donc là, on va voir à combien il fonctionne. Oh, il y a 5 vitesses. Ah. Ah, la mode accélérateur n'est pas activée. Ouais. Ah, c'est bon. Combien? 26 km/h. C'est tout? Ah bah, c'est déjà pas mal, hein. En même temps, il n'est pas débridé. Bon, et tu peux pas le débrider. Si, tu vas le débrider. Ouais, au pire, tu le remettras s'il faut, parce qu'après, celui-là, c'est peut-être que... On peut tout faire. On peut tout faire. Alors, tu vas le débrider? Bah ouais, attends, je me souviens comment on fait. Comment on fait? Fallait ton cerveau. Alors. Non, mais attends, je suis là, je sais pas. Ah, c'est pas les mêmes modèles? Bah si. Attends. On va mettre sur pause, il va réfléchir, et puis je vous reprends tout de suite. Donc, pour le faire débrider, c'est tout simple, deux pressions du bas. Là, c'est tout simple. Alors, 36, je suppose que c'est le kilovolt. 21 in, ça c'est la taille des pneus. Alors, P3, 25 km/h, on appuie dessus. Et on augmente. Je sais pas jusqu'à combien il peut aller. 40. 40 km/h. Bah, c'est déjà bien. Et pour un vélo, P4, je sais pas ce que c'est. P5. Ah oui, il y a un truc sur l'accélérateur à mon avis. Du coup là c'est bon. Non, ouais, je vais chercher pour l'accélérateur. Du coup il roule à 40. Déjà. Ah, mais faut que tu lèves la roue du coup. Mais non, mais justement, il faut que j'attends que tu bouges. Ah ok. Bah moi j'étais collé à toi, hein. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Alors à combien ça monte? Ouais, 37 km/h. Mais après il faut peut-être pédaler plus vite, hein. Non, mais après c'est. Ouais, c'est sans pédaler. 37 km/h. Il faut que je regarde comment on fait pour activer l'accélérateur. Bon, pour de mettre la mode accélérateur comme une mobilette comme là, je viens de faire, ou pour l'enlever, c'est simple. Bah, c'est simple, je sais pas. Donc ici, écran fermé, on accélère, on appuie sur le frein, on démarre l'écran, ça va s'afficher normalement E005. Donc là on attend quelques secondes, on lâche, et là si j'accélère, le vélo il accélère pas. Là je viens de le rebrider. Ouais. Donc je fais le sens inverse, c'est-à-dire que là je l'éteins, je accélère, j'appuie sur le frein, je démarre, ça va se remettre E005, c'est-à-dire qu'il y a un défaut, hop, là je lâche, et là j'accélère, et ça accélère pas. Non, c'est normal. Ouais, si tu l'augmentes pas, c'est logique, et là ça accélère. C'est bon. Ouais. Maintenant, place à l'essai. Hein. Je vais l'essayer parce que t'as pas serré la selle, donc déjà... Si, j'essaierai un petit peu. C'est toi qui vas l'essayer. Allez, va l'essayer et tu me diras ton impression. Alors là, ça fait pas du tout peur. Va l'essayer, il y a rien qui est serré. Bah mais t'as serré les roues. Je sais pas, tu l'as non fait. Ah, moi j'ai rien serré du tout. Bon, allez, je serre les roues et je vais faire un essai. Voilà, c'est ça. Allez hop, c'est parti.
Donc là, première impression, c'est un vélo super, super agréable. À conduire, les suspensions, ça va super bien. Une petite suspension avant. Après, les roues sont pas très grosses, donc ça reste très jouable. Donc, un petit vélo pliable pour mettre dans un van, ça c'est super. Ça doit être super agréable aussi au bord de la plage. Hein. Non, là, c'est plutôt en mode campagne. C'est-à-dire, sur les routes, là, il y a bien plu hier, donc c'est de la terre, super grasse. Il y a pas mal de vent. D'ailleurs, je l'ai testé, on est sur du... Avec mon poids, on est sur du 35 km/h. Ce qui est déjà vraiment pas mal pour un vélo comme celui-ci. Plus, ça serait dangereux, je pense. Alors après, en mode 25, en mode privé, on va être juste bien. Donc les roues sont vraiment... C'est pas des fat bikes. C'est pas des roues en fait de... Style ce qu'on peut retrouver sur un petit vélo qu'on met derrière les bateaux là. Donc c'est vraiment pour moi un truc vraiment très très fiable. C'est-à-dire que là je patine pas, je suis vraiment en mode détente quoi. Qu'est-ce qu'ajouter de plus sur ce vélo? Au niveau des vitesses, on est sur du 7 vitesses. 7 vitesses, ce qui est un petit vélo. Après, c'est bête qu'il n'y en a pas sur le plateau avant pour faire de la montée, mais on a l'assistance électrique, donc tout se passe bien, tant qu'il y a l'assistance électrique. Comme il n'y a pas les grosses roues, ben, même pour le pousser, on a une petite mode, en fait, quand on se met sur 1, même vitesse 1, en fait, on va faire du 3-4 km/h, voire 5 km/h, en mode marche, bien qu'il est super léger, donc là-dessus, on n'en dira pas plus. Après, je suis pas Monsieur Muscle, mais même le gros vélo que j'avais eu, le P2 Pro, ce qui était un gros fat bike, on avait une aisance en fait pour le promener facilement. Même là, je vais essayer de rattraper la voiture. Je sais pas si le drone il va me suivre jusqu'au bout, mais on a une bonne accélération en fait. Là, je peux jusqu'à cette vitesse. Je devance un peu le drone. Là, on passe à 30 km/h. Hop là, petite bosse. 35, gros deuxième petite bosse. On va freiner quand même pour celle-ci. Donc voilà, hop, il y en a eu assez pour perdre mon drone. Donc on va le récupérer. Hop. Bon, après voilà, on va tester là. Je vais regarder comment la batterie se déroule. Ça, j'ai pas vu. Mais je pense que ça va être pareil que le mien que j'avais. Hop. Ouais, c'est pareil, c'est tous à peu près le même système. Moi, ça a une boîte aussi. Hein. Ouais, bah pareil. Hop. On vient sortir la batterie si on veut la recharger. Elle se recharge aussi sur le vélo. Hop. Vous n'êtes pas obligé de le sortir. Alors, moi, j'ai plusieurs fois que je la sorte pour la recharger, justement. Hop. Donc, on vient faire ça ici. Ici, on vient le reverrouiller. D'un quart de tour. Puis là, la batterie, elle est bloquée. Elle est dedans. Et on vient recharger par ici. On vient recharger par ici, par le petit chargeur qui est fourni avec. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Alors, ton impression quand t'as été faire le tour avec? Eh ben franchement, ça va super bien. Les pneus, c'est des pneus bah, style VTT. Donc, moins large que mes fat bikes que j'avais. Mais aussi très très agréable quand même sur la route. Parce que c'est pas des fins pneus comme j'expliquais. C'est vraiment des gros pneus. Enfin, des bons pneus. Donc, super bien. En vitesse, j'étais à 34 en aller et 37 au retour. Sûrement une histoire de vent. J'ai pas mêlé entre deux. Ouais, tu l'avais dit. Mais non, ça reste un bon petit vélo. En histoire d'autonomie, je peux pas remonter l'autonomie actuellement parce que je pense que je dois être sur du 40 km. À peu près, avec mon poids. Ouais, donc c'est bon. Une autre personne à peu près sur du 50. Puis après, ça dépend si tu pédales beaucoup ou si tu pédales pas. Comme toi, tu veux pas pédaler à chaque fois. Là, c'est pédalé. Donc voilà. Je vais le voir. On va le voir dans la vidéo de toute manière, juste voilà, un petit peu avant. Non, après, un bon petit vélo. Je trouve ça que c'est un bon petit vélo. Toujours dans la même gamme. C'est pas des rayons, alors c'est ce qui est bien aussi. Ouais. À bâton, c'est pas mal. Il est déjà équipé de freins à disque. Alors les freins, ils freinent super bien. C'est vrai que comparé à l'ancienne méthode du disque, c'est quand même mieux.
Maintenant, je crois qu'il n'y a plus que ça qui se fait. Bah, et puis ce qui est bien, c'est si tu tombes, si tu vas dans des cailloux ou quoi que ce soit, quoi. C'est moins grave que quand c'est des fines roues et tout. Oui, ça c'est sûr. C'est ça. L'éclairage, bah là j'ai testé le jour, donc je ne peux pas vraiment dire l'éclairage que ça donne la nuit. Mm. Mais c'est rare qu'on roule de nuit, donc. Mais ça se voit super bien, il y a même le feu stop. Ouais. C'est ce qui est pas mal quand on roule à plusieurs. Après, bah, les pédales qui sont pliables. Ouais, tout est pliable, même voilà, le vélo, donc pliable, comme ça, voilà. Ajouter de plus, en fait, c'est un bon petit vélo. Alors, pour ceux qui viennent le 28, 29 et 30 juin, ils pourront le découvrir lors de l'événement parce que ils pourront peut-être le gagner lors de l'événement. Ouais, on dit pas peut-être, on verra s'ils sont sages. On verra s'ils sont sages. Voilà, c'est ça. Mais voilà, pour vous dire que ça va être notre fameux petit mot aussi le jour de l'événement. Ouais. Donc, pour ceux que ça intéresse, il faut venir. Voilà, il y a encore un petit peu de place, mais vraiment plus beaucoup parce que là. Ça commence à être. Bah, ce matin, on a eu une annulation. On a eu une annulation ce matin. Bon, bah après, on leur fait un petit coucou. Et voilà, que bah il y a eu des problèmes de santé, donc voilà. Donc, bah, on leur fait un petit coucou. Bon, bah, c'est pas. Il restait déjà une place, je crois qu'il restait deux places, je crois. Il restait encore quatre places. Mais quatre places, mais c'est vraiment. Deux places grand véhicule, quatre places petit véhicule. Voilà, c'est ça. Donc, il ne reste plus beau grand chose, quoi. Il ne reste plus grand chose en place. Ouais. Bah non, bah on est surbooké, on a beaucoup beaucoup de boulot en plus. On pourrait découvrir quand même, on a plein de petits cadeaux quand même. Mais entre deux, on arrive encore à vous avoir des partenaires qui nous suivent. Merci et... d'ailleurs aux partenaires. Ouais, merci Ngwe. Ça serait pas quoi. C'est ça, voilà. Donc on leur dit un grand merci et puis aux prochaines vidéos du coup. On vous mettra quand même le lien pour ceux qui n'ont pas gagné. Oui, voilà, vous pouvez le commander aussi sur le truc parce que celui-là il n'est pas encore sorti en vidéo. Non, donc c'est une première. Le Ngwe P1. Voilà. Donc, allez. On vous dit à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous.